Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de survie du week-end. On s'était arrêté ici la dernière fois, on attend la nuit, en fait. On attend la nuit, ok. Bien, 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 bien. On attend la nuit, on va chasser. On va potentiellement chasser. On a fait tous les changements, les raccordements et tout ce qu'il fallait pour la tour. Donc maintenant, c'est ce... Ouh, on a un beau soleil en plus. Je veux bien aller chasser rapidement. C'est parti. Normalement, il y a toujours des loups qui traînent par là. On va chasser. On va faire cuire quelques morceaux de viande. On a du bois, je crois pas. Négatif. Okay. Cool. On a toujours le vent qui joue contre nous. Et on va attendre la nuit. On a la mine là-bas. Il nous faudrait du bois. Je sais pas exactement où en trouver des petites brindilles pour aller vite. Après, il fait pas extrêmement froid. On peut pas en profiter. Peut-être qu'on peut récupérer du charbon dans la mine ou la grotte. Je sais pas exactement ce que c'est là. Ouais, c'est une mine. Je crois que c'est la mine qui va jusqu'à la l'église. Je crois que c'est ça là. On va aller voir vite fait si on peut pas trouver directement quelques morceaux de charbon. Quelqu'un peut me confirmer si le charbon réapparaît vraiment dans le jeu? J'ai jamais vraiment vérifié moi-même, mais... beaucoup de gens m'ont dit que ça réapparaissait. On va dire que beaucoup de gens me disent beaucoup de choses. Donc des fois c'est un peu difficile de checker. Après je dirais que c'est possible, j'ai jamais vu de mine sans charbon, même si je suis passé plusieurs fois dans la même mine. Je voudrais pas trop me fatiguer parce qu'après il faudrait se reposer. Quoique on est assez tôt encore, on aura le temps de trouver normalement un loup. Je crois qu'on avait vu un loup qui traînait il n'y a pas très longtemps. Pendant le dernier épisode. Ou alors c'était un ours. C'était un ours. Un loup, un ours. Je regarde si jamais il est pas... Il est pas en dessous. Faudra bien le trouver. Enfin, trouver quelque chose. Comme ça on mange. En plus on a de la chance, il fait pas trop froid et on a un beau temps, donc on peut faire on peut utiliser la loupe. Donc je voudrais vraiment utiliser la loupe. J'entends des loups sur ma droite. Ok, on y va. Ce vent. Ok, il y a un loup. Est-ce qu'il y a deux pattes et qui saigne? La moitié d'un chien. On est assez protégé, ouais, let's go.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez que je parle du fait que j'ai tiré comme ça depuis l'arrière et que je lui ai mis une flèche directement dans la tête car je suis extrêmement bon? Ouais, on va pas en parler, ça va, ça devient une habitude, hein, j'ai envie de dire. J'avoue qu'il était joli, sire. J'avoue qu'il était quand même bien joli. Ok, très bien. J'ai l'impression d'entendre des pas. Ah! Embêtant. Très embêtant. Alors, attends. On est bon. Parfait, et on s'est reposé une heure, on est bon. Okay. On devrait avoir une aurore boréale. Si jamais on n'a pas d'aurore boréale, on va tout simplement partir, je pense. On va déposer ça pour éviter d'attirer trop les loups. On a besoin de torches. Peut-être. On a vraiment des mauvaises torches. Hein. Que des mauvaises torches. Y a pas assez de bois, j'imagine, dedans. J'en sais rien, en fait, exactement comment ça marche. Toujours pensé que c'était par rapport au temps de feu. Ok, très bien. J'en profite pour faire un peu plus d'eau parce qu'on est quand même très très léger, donc ça va. Vu qu'on n'a plus la jolie batterie. Ok, bientôt. Est-ce qu'on peut passer notre temps... Là ça va faire un peu beaucoup. 45 minutes.
du monde. Il y a un loup. Il a eu peur du feu. Est-ce qu'il revient ou pas? Normalement, enfin la plupart du temps, oui, voilà, ils reviennent sur leur pas. Encore heureux que j'ai pas baissé l'arc. Et là on dirait qu'il faisait une feinte, mais bon, je crois que c'est parce qu'on est sur le pont, il avait du mal à me trouver. Pas mal. J'ai pas extrêmement froid apparemment, donc ça c'est une bonne chose. C'est juste que se balader dans... dans une purée, c'est pas vraiment le plus conseillé au monde, mais... On est bon. Okay, pour l'instant, rien. On va se balader, on va faire d'abord ce côté-là, puis après on revient. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de terre ici, donc ça devrait pas être très très compliqué de trouver l'endroit où il y a une cache. Si il y a une cache... De toute façon, la radio, elle ferait du bruit, hein, je crois. Normalement, c'est du jaune. Non, je pense qu'il n'y a rien de ce côté-là. J'avais dit que la dernière fois on irait peut-être au phare, juste pour curiosité, juste pour curiosité en fait au final. Voir si jamais il y a la recette. Mais c'est vraiment optionnel, on n'a pas vraiment besoin d'y aller, donc on verra ça. Vous avez vu la couleur du phare? Elle est étrange. Hein.
On a accroché un signal. Ça a l'air d'être vers l'eau. Intéressant. Peut-être sur cette petite île. Y'a rien là. C'est embêtant de pas pouvoir sortir la radio en même temps que tenir une torche. Ok, ça a l'air d'être plus ou moins safe. Parfait. Bon, au moins ils sont pas abîmés, c'est déjà ça. On va dire que c'est déjà le point positif, c'est qu'ils sont pas complètement ruinés, donc on peut techniquement les garder. Car j'avoue que ça c'est assez rare. C'est pas un cul-de-sac au moins. Non, ça va. Ok, on est bon. Que je prends le bon chemin. Waouh. Je pourrais passer par là. Non, attendez. Non, si j'ai pris la première bifurcation, il fallait pas. Ça c'est la mine, donc il faut continuer sur la route. Faut que on Il faut qu'on tourne au... Faut qu'on tourne au pick-up. Pick-up bleu, là. Là. Je dis pas qu'on va pouvoir trouver la cachette en fait au lac Mystère. Non, à l'autoroute côtière. Car on est assez fatigué donc je peux pas vraiment sprinter. Après j'ai du... Okay. Après j'ai du café, mais j'aimerais le garder parce qu'on a quand même une autre petite zone en fait à traverser, donc c'est un peu un problème. C'est bête qu'on n'a pas eu des collants thermiques rouges. Les rouges seraient magnifiques pour nous parce que si je me rappelle bien, au lieu de d'un degré, je crois que c'est deux. C'est le double. Donc du coup ça serait vraiment un gros bonus pour nous. Ça serait honnêtement si je pouvais changer ma cagoule,
La cagoule qu'on a eue, je le ferai. Juste pour ça, quoi. Ça serait nettement mieux. Alors, est-ce qu'on peut prendre la mine sans utiliser de lampe? On va essayer. Je vais être honnête, il fait tellement sombre que moi j'ai un peu les reflets en fait sur l'écran tellement que c'est noir. Mais on peut y arriver, ouais. Ouais, ça va. Les lampes sont à des intervalles assez réguliers. Non, ok, là, pas là-bas. C'est pas le passage qui est en dessous. Ouais, c'est ça. J'aime bien l'ambiance. Ça va, on arrive à voir quelque chose quand même. Qu'on est... Ouais, on est quand même bien fatigué. On est pas encore minuit. Ça va être... Ouais, ça va être un peu compliqué. Fait aggro. On va aller au sous-sol. Attends, il est où le sous-sol? Je l'ai raté. Ok, on verra, on n'ira pas au sous-sol du coup. On n'ira pas au sous-sol. Étrange. Normalement, je passe toujours à côté. Là, j'ai du... Ouais, non. C'est une des rares fois où ça m'arrive. Ça va, il est assez loin, on va pouvoir passer sans trop de problèmes. Je sais pas s'il peut passer en dessous par contre. Nous on peut tirer accroupi, il n'y a pas vraiment de problème. J'avoue que j'aimerais bien rester en fait pour voir s'il peut passer sous la pierre. Je dirais que non. Je le vois pas. Je dirais que non. Je dirais qu'il peut pas. Ce qui est pas vraiment logique, mais bon. On va peut-être dormir une heure dans la voiture devant nous, là.
Entre la protection de la voiture plus le matelas, ça devrait aller. On va voir. Ouais, on a chaud à l'intérieur, ça va. Ça marche. Alors, si vous vous rappelez, pendant un des streams, on avait trouvé un endroit qui était potentiellement nouveau. C'est quoi ça en face de moi? Faut qu'on reste vers le... vers la côte quand même, parce que c'est, ça doit être là en fait. Les caches. On va pas trop m'éloigner de la terre en fait. On va passer par là pour éviter le... Ah, ok. On a un ours. Donc si vous vous rappelez pendant un stream, je sais pas, je pense pas que ce soit le même. On avait vu un endroit où c'était un avion en fait qui s'était crashé. Et apparemment, donc ça c'est un nouvel endroit en fait, c'est, ça n'existait pas avant. Je suspecte qu'il y ait une cache en fait là. Car j'ai déjà trouvé des caches en fait à côté de, d'endroits du même style. On va essayer d'aller vers la, la route. Très bien. Une chose qui pourrait être intéressante aussi, c'est par rapport aux, aux compétences en fait d'arc, d'archerie, ce serait dégainer l'arc plus rapidement. Genre pouvoir mettre en joue plus rapidement, vous voyez, des choses comme ça. Parce que maintenant je me dis que c'est vraiment une chose qui me manque. Car si jamais on a par exemple la radio à la main et tout ça, ou alors une torche, ce qu'on voudrait c'est qu'on puisse dégainer l'arc en fait plus rapidement. Je pense que c'est exactement l'endroit auquel je parle. Duquel je parle. Du coup, ça voudrait dire que c'est pas très très loin. En hauteur. On a un loup sur la glace. Oh, so cold. Parti, on grimpe.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Exactement ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, il s'est passé exactement la même chose au lac mystère où la cache, en fait, m'a montré des bouts d'avion, en fait. Donc, je suis pas du tout étonné. En espérant qu'on ait une bonne chose. J'arrive pas à monter. Ça, on l'avait vu en stream, ça. Oh, la valise qui vient de bouger. C'est bon. Ouh. I think I can use this. Wow. Quelle déception. On l'avait déjà fouillé, donc on va pas le refaire. Quelle déception. Ça existe des élans pendant les aurores boréales? Je crois pas. Hein. Parfait. Eh ben, mission accomplie. Oups, pardon. Chaque fois, j'ai dit... Comment on sort ? Mission accomplie. Ouh, c'est clair, ça. Mission complètement accomplie. On a fait les deux zones directement. On est parfait. On est totalement parfait. On a fait ce qu'on voulait. 0,25 pour seulement 4 tablettes. 4 tablettes, c'est 4 litres. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Extrêmement lourd, ces trucs. Alors, très bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va réparer ça. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder et on va le mettre au lac mystère. Comme ça, si jamais on en perd un, par exemple, dû à un combat ou quoi que ce soit, on en aura de rechange. Faudrait qu'on dorme en fait. On va dormir le plus possible. Alors ce que je vais faire une petite pause pour la vidéo. Pour notre épisode. Ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à quoi prendre, en fait. Parce que sinon, je vais passer, genre, les dernières 30 minutes de l'épisode à juste réfléchir, en fait, à quoi prendre. Donc, je vais me blinder d'objets, voir ce qu'on prend. En gros, je pense prendre les choses les plus utiles. Genre, peut-être toute la nourriture. Comme ça, on la met
tous d'un côté. Bon, après, c'est vrai que ça va peser un peu lourd. On va voir, peut-être une partie de la nourriture. Mais après, ce que je voudrais prendre, genre les outils de qualité, là, il y en a 3. Je voudrais bien prendre déjà une boîte d'outils de qualité. Je vais réfléchir aussi sur les pierres à aiguiser nécessaires de couture et tout ça. Tisane et machin. Ouais, je vais réfléchir à ce que je prends. Après, on a aussi pas mal de petits rajouts. Genre tout ça. On va peut-être le prendre aussi. J'ai des trucs un peu partout. Ouais, j'ai des trucs un peu partout. Genre tout ça. Ok. Je vais faire un petit choix. Je reviens. Ok, je pense que je suis prêt. J'ai pris pas mal de matériel. Il y a peut-être ça aussi qu'on devrait prendre. Je sais plus exactement où est-ce qu'on avait rangé une fusée de détresse. Ça, on a qu'à le prendre aussi. On est à 45-30, qui est très très potable. Comme ça, on va pas trop se fatiguer en marchant. On pourrait prendre plus techniquement, mais je voudrais quand même garder un petit endroit avec des choses. Donc on va laisser tout ça. Mais ouais, on a beaucoup de rajouts, genre de petites choses en fait, de petits détails, genre des glands, des sinos et tout ça, des racines et tout ça. Donc ouais. Et je ramène aussi pas mal de tissus en plus. Comme ça, on en aura de côté. J'ai pris nécessaire de couture, une boîte, pas mal de nourriture qu'on entreposera comme d'habitude. Toutes les peaux, j'en ai pas besoin et j'ai pas vraiment besoin de réparer en fait quoi que ce soit. Donc, pas besoin de passer du temps à réparer tout simplement. On est 41%. On va faire ça. On va laisser celui-là qui a le plus de pourcentage, comme ça, ça évitera d'en faire un ici. Je vais laisser aussi toutes les flèches et les fûts de flèches qu'on avait ici avec les plumes. Pas besoin de les ramener parce qu'on en a à la maison. Donc ouais, ça reste encore un très bon endroit en fait, une très bonne base secondaire. Donc on peut partir. Donc ouais, on y va. On rentre. Donc ouais, ça, comme je dis, ça reste une très très bonne base secondaire, encore une fois. Donc on a un beau temps, je suis content. Donc c'est une bonne chose. Allez, on rentre. J'ai déposé aussi tout le bois qu'on avait récupéré, le charbon et tout ça. On a de l'eau, on a de la nourriture sur le chemin pour grignoter. On est en pleine forme, on a notre sac. Enfin, voilà, on est très bon, on est très bon. Pas vraiment, on n'est pas en surpoids aussi. Donc du coup, c'est tranquille, on se déplace bien, on se fatigue pas. Donc on va tout simplement rentrer au lac Mystère. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Ah, on a entendu encore le bruit. Ouais, là, encore une fois. Je dois avoir des trous de pêche, mais je sais pas exactement où. Je m'en rappelle plus, en fait. Je sais que j'ai beaucoup pêché. Je crois que ça doit être ça, en fait. Je sais que j'ai beaucoup pêché. On est à combien? 0. Ça sert à rien de checker maintenant, de toute façon. Que le poisson, je vais pas l'emmener avec moi, donc je crois qu'on va juste laisser. Ouais, ouais, non, ça c'est bien ce que j'avais fait. J'avais fait 2 trous qui étaient pas très loin l'un de l'autre. Ouais, il faut casser la glace. Et après, j'avais pêché. Ouais, non, c'est vrai que c'était pas mal. Honnêtement, ce système-là d'avoir 2 trous à côté d'un endroit pour pêcher, je pense que c'est le meilleur rendement en fait. Même si c'est côte à côte, je sais, on a moins de chance, mais honnêtement, c'était le meilleur rendement de pêche que j'ai pu faire.
Parce qu'après, j'ai essayé différents endroits et tout ça, genre espacer les trous. Mais entre le temps d'aller d'un trou à un autre, plus le fait qu'il faut casser la glace et tout ça, ça prend trop de temps. Alors que là, c'était vraiment pas mal quand j'avais pêché. Je sais pas si je l'avais fait en stream et tout ça. Mais je crois que oui, j'en avais fait une partie en stream pour montrer. Donc c'était bien, on pêchait à l'intérieur. On avait un feu en plus, on pêchait à l'intérieur. On rouvrait les trous s'il y avait besoin. On récupérait le poisson avec la pêche automatique là. Et on continuait à pêcher tranquillement. Honnêtement, ça fonctionnait très très bien. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de poissons et que j'en ai même ramené, je crois, au lac Mystère. Mais au lac Mystère, j'ai essayé d'une autre façon. Genre avoir un trou, en fait, loin. Et c'était vraiment minable, en fait. Surtout que ça se casse assez facilement, les bacus, là. Donc... vraiment embêtant. C'est juste pour le perdre en fait. C'est juste pour le perdre. Ou pas. Ou pas. On va continuer sur la route. Ou alors par là. Non, on va continuer sur la route. Comme ça, on avance rapidement. Et après, on va bifurquer à droite. Pour monter. Par là. Je crois qu'on était descendu par là. Ouais, au stop. Ouais. Il va nous embêter, lui. Pas grave, il a qu'à venir avec nous. Là, on a des corbeaux. Carcasse ou cadavre? Ça va, je suis content. Enfin, je dis ça à chaque fois qu'il fait beau temps et tout ça, mais ouais, mais avec toute notre... Ah oui, non, mais ça c'est le cadavre qui doit être en bas. Je crois qu'il y a eu un accident là, non? Avec nos vêtements en fait qui sont en très bonne qualité en ce moment, c'est plutôt logique en fait qu'on ait un bon moment, qu'on passe un bon moment. Donc je suis assez content de ça. Donc ouais, on va finir notre épisode, on va rentrer tout simplement. On rentre à la maison, Lac Mystère. Je me mettrai encore, je me préparerai pour partir évidemment, pour repartir. Et ça sera donc Blackrock, à moins que je change d'avis pour autre chose, mais ça va être Blackrock. Comme j'en ai parlé le dernier épisode, je vais me concentrer sur aller à Blackrock, et on va bien sûr faire l'antenne, parce que c'est ce qu'on veut en fait, hein, c'est faire l'antenne surtout. On va rien prendre avec nous, on va pas prendre de câble, on va pas prendre de fusible, on va rien prendre, pas de batterie évidemment, parce que sinon c'est un peu lourd. On va strictement rien prendre, parce que c'est possible qu'on trouve énormément de matos là-bas, surtout qu'il y a énormément de voitures, donc c'est fort possible de trouver une batterie.
Donc ce serait vraiment une très très bonne chose. On va boire et manger, on va rentrer, je vais faire une pause. Enfin, faire une pause pour boire et manger. Donc on va faire ça. Et comme j'ai dit la dernière fois, si jamais on a une mise à jour entre temps et qu'ils nous sortent une nouvelle zone et tout, ça dépend en gros, ça va dépendre en gros de l'avancée qu'on a à Blackrock. Et si jamais il reste encore beaucoup à faire, on partira. On partira directement, on va abandonner Blackrock pendant un petit moment et on ira faire les nouveautés et tout ça. Surtout que si jamais on a des grosses nouveautés, genre travaux et tout ça. Si jamais ils nous sortent seulement une nouvelle zone sans rien dedans, qu'il n'y a pas de retour, comme quoi il y a des choses intéressantes dedans, on continuera Blackrock, on finira. Et puis après, dans un second temps, on ira à la nouvelle zone. Un peu comme ce qu'on a fait à l'aérodrome, on l'avait pas vraiment rushé en fait l'aérodrome. Au final, on a très bien fait, parce que c'est une... C'est quand même une zone extrêmement difficile, hein, quand on n'est pas équipé. Et il n'y avait strictement rien, il n'y avait même pas la radio, rien du tout pour nous à la base. Donc on a bien fait de... ne pas y aller directement. Donc en gros, c'est ce qu'on fera. Voilà. Je pense que c'est un bon plan. Car bah, Blackrock, comme j'ai dit, Blackrock va être long, hein. Blackrock va être très très long. Ça va nous prendre pas mal d'épisodes. Il faudrait que je vérifie le chemin, par contre, parce que j'ai un doute sur le chemin. Je crois qu'on peut y accéder seulement par le mont Timberwolf, je crois. Je pense pas qu'on puisse le faire par... par la vallée charmante. Je crois qu'il faut aller au mont, en fait. Donc on verra ça. Donc ouais. Comme j'ai dit au dernier épisode, je suis assez impatient maintenant. Enfin, c'est revenu un peu l'envie de découvrir de nouvelles choses. J'espère seulement qu'elles vont bien se passer. C'est vraiment ça que j'espère. J'avoue qu'on va potentiellement dépasser assez vite le nombre d'épisodes des plus grandes saisons en fait que j'ai faites. Je crois que la plus grande saison reste la saison 5, qui faisait quasiment une centaine d'épisodes. Donc c'est intéressant. On va avoir du mauvais temps. Après, c'est pas trop compliqué de se déplacer, donc ça ira. On va sûrement avoir une tempête qui arrive. On devrait être rentré avant que ça se gâte un peu trop. Au final, c'est une très bonne mission. Hein. Je suis assez content. On n'a pas eu de complications. Ça s'est très bien passé. On a rencontré du danger. Mais au final, on a tout bien géré. On a eu de la chance. On a bien calculé notre coup. Par rapport à dormir au bon moment pour pouvoir se balader. Et faire les deux zones qui sont couverts en fait par la radio pendant l'aurore boréale. Donc honnêtement, parfait. C'est vraiment vraiment cool. On récupère pas mal de matos. C'est bien. C'est vraiment du positif là. C'est vraiment du pur positif là. C'est très très bon. Je vais devoir rentrer, mettre tout ça de côté. Par contre, moi, je vais avoir un problème, c'est... J'ai pas assez de containers. Hein. J'ai vraiment pas assez de containers. Tout commence à être plein, en fait, au lac Mystère, parce que...
petit à petit, on récupère en fait énormément de matériel et j'en laisse de moins en moins dans les zones en extrémité, exprès en fait, pour être vraiment genre prêt à un voyage d'une nouvelle zone, prêt à faire d'autres choses, genre à crafter des nouvelles choses si besoin y est. Donc du coup, le lac mystère commence à être vraiment blindé de tout et n'importe quoi. On a vraiment de tout et n'importe quoi. Et j'avoue que c'est un problème. Genre le sol, il est blindé de peau. Tous les tiroirs commencent à être pleins de quasiment tout et n'importe quoi. Donc ouais, j'ai vraiment un peu ce problème là. Faudrait vraiment pouvoir créer des containers, ce serait vraiment bien. Genre on les entasserait, ce serait vraiment vraiment cool. J'ai encore regardé les mods récemment, il y a un mod qui fait ça, hein, qui permet de réparer genre les tiroirs cassés, les choses comme ça. Ça nous aiderait vraiment. Ou alors, comme d'hab, on met tout par terre, mais bon. J'essaye de... Tous les objets qui sont extrêmement petits, genre par exemple les massettes, les champignons et tout ça, j'essaye tout le temps de les mettre dans des containers, mais j'avoue que c'est... Ouais, tout devient très vite plein, en fait. J'aimerais bien qu'ils augmentent le kilo des containers. Il y a même des mods qui changent ça, j'avais vu. Qui rendent les containers infinis, presque, quasiment. Et j'avoue que c'est bien. J'avoue que c'est bien. On va voir s'il y a des morceaux de bois là. Comment ça s'appelle ? Du boulot là. Ça, on en avait récupéré déjà pas mal. Je vais voir si on peut en trouver encore plus. J'aurais bien passé un peu de temps là, voir s'il n'y a pas quelque chose à ramasser, mais vu que le vent... Ah, il fait pas très froid pour le moment, on n'a pas froid. Mais le vent se lève, il va bientôt faire nuit. Donc je suspecte qu'on va avoir du très mauvais temps. Ah oui, je peux descendre par là. Donc je voudrais vraiment être proche de notre camp en fait. Avant quoi que ce soit. Surtout que voilà, il y a le vent qui commence à me pousser. Ouais, le blizzard va se lever dans pas longtemps. On a intérêt de se bouger. Hmm.
plume. Allez, go go go. On va pas s'arrêter au barrage, hein, on va foncer. Ça devrait être bon normalement. On n'est pas très fatigué, donc je peux me permettre de sprinter de temps en temps. Allez, go. Très bien. Ah. Le vent s'est calmé en fait. Ok. C'est rare. C'est rare, c'est rare. Putain. Okay, encore un jumpscare, c'est bien. Il y a encore quelques massettes qui restent ici. C'est vrai que je l'ai pas vraiment fait, genre sous le pont et tout ça. Peut-être que j'y retournerai pour vider le coin. Parce que je crois que les massettes, il m'en reste plus beaucoup. J'suis pas complètement certain de ça. Même là, toute la ligne là, je suis quasiment certain de jamais l'avoir faite encore. Ici, donc... Ouais. Il y a un truc qu'il faut que je fasse, que je vois des cailloux un peu partout. J'en ai récupéré des cailloux, j'en ai mis dans des tiroirs. Et je crois qu'on est limité à 5. Je crois que c'est 5 par région de cache en cailloux. Je crois, hein, je suis pas complètement certain. Donc je pense que je vais passer du temps, ça va être complètement inutile et con, mais j'ai envie de me faire des caches en fait, pour pouvoir entreposer la viande, juste pour ça en fait. Ou à la limite pour entreposer, autre, je sais pas, enfin du bois, enfin non le bois ça sert un peu à rien de mettre du bois dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre ouais. Ce qui est triste, c'est que les caches en pierre, techniquement, c'est le seul récipient qu'on peut créer n'importe où. Sans parler qu'on peut pas les mettre en intérieur, hein, je veux dire. Mais techniquement, c'est le seul. Et bah, c'est un peu bête. C'est... ouais, c'est vraiment bête. C'est pour ça que je voulais pas passer comme ça. Peut-être pas une cheville. Mais le poignet. Enfin, c'est le poignet le plus dangereux. Pas vraiment le temps de se.
de se réparer le poignet. Donc ouais, je pense que je vais faire ça avant de partir à Blackrock, comme ça, ça décorera un peu plus la zone. Notre camp. Vu que c'est notre camp principal, autant en profiter. Après, j'ai essayé de mettre un peu plus de rangement, enfin, un peu plus, genre de ranger un peu plus, plutôt. L'intérieur, mais non, marche pas. Hein. Comme j'ai dit, je vais vous montrer, mais tout est plus ou moins plein. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais ouais, l'extérieur, des caches pour la viande, ça peut être marrant. C'est téméraire, hein, le loup. Ah. Merde. Il n'y en avait qu'un seul. Putain, c'est rare d'en trouver en plus. J'en avais trouvé dernièrement, mais j'ai passé plusieurs jours en fait. Vous voyez, genre on mettrait des caches ici et on range toute cette nourriture là que j'ai à l'extérieur. J'ai du bois ou pas? Non. Genre ça serait bien. Bon ben voilà, on est rentré. Vous voyez, c'est le bordel en fait. Tout ça, ça commence à être plein. Là, j'avais mis des pierres, il m'en faudrait un peu plus. Genre, ça aussi, ça commence à être plein. Là aussi. Là, pareil. C'est bordélique en fait. C'est très bordélique. Ouais, faut mettre des trucs partout. C'est bien, c'est fun. C'est fun. Enfin bref, je le ferai de mon côté. Je vais sortir et re-rentrer. Comme ça, ça sauvegardera. Je vais pas dormir parce que, comme j'ai dit, je voudrais mettre le... On peut me ranger tout ça. On va déposer par terre déjà tout ce que je voudrais ranger. Ça, voilà, ça, celui-là. Voilà, on va ranger tout ça. Là, on a du matériel ici. Les fusées de détresse. Du coup, j'ai jamais pris... Je suis jamais rentré avec un pistolet de détresse. Hein. Je les ai toujours laissés en fait aux endroits. Je crois que mon Timberwolf doit en avoir un. Quasiment certain. Mais du coup, je l'ai jamais pris avec moi. Parce que c'est pas vraiment une chose que j'utilise. Ça, on va le ranger là-haut après. Ouais. Vu que c'est pas une chose que j'utilise. Je le prends pas avec moi. Plein d'allumettes aussi. Alors, oh là là, ça va être la galère. Ouais, ok, je le ferai après. Parce que... Ça aussi, les allumettes, je devrais les mettre quelque part, mais bon. Faudrait que je fasse des boîtes de vin. Genre, je les mets côte à côte, comme ça, c'est plus simple, en fait. Au lieu d'avoir une seule boîte entière. Ouais, on a bien fait de rentrer. Ah, vous voyez tous les appâts, là? Les petits appâts, ils sont très moches, en plus. Ah, mais ils peuvent pourrir, en plus. Tiens, c'est marrant, ça. Je savais même pas qu'ils pouvaient pourrir. Donc, ouais, j'ai récupéré quelques poissons avant de partir, mais pas grand-chose, en fait. Je ferais peut-être des plats. Enfin, quoi que non, j'ai pas vraiment besoin de faire de plats. J'ai quasiment... J'ai encore plein de choses, en fait. On va peut-être partir avec des croquettes de poissons.
Endurance, poids max, mal de l'enfermement, ça peut être pas mal. Il faudra des tartes, on en prendra un peu plus des tartes. C'est pour enlever, remonter la fatigue en fait. Remonter notre endurance. Je sais que j'en ai toujours sur moi maintenant, je fais attention d'en prendre. Mais peut-être qu'on en prendra un peu plus. C'est pas très très lourd en plus. Enfin bref, on verra ça. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Très très bonne mission, c'est super bien passé. Donc, nous avons fait notre transmetteur radio. Site de désolation. Donc maintenant, voilà, tout ça, c'est couvert. Donc, il ne reste plus que le haut à faire. Donc, Blackrock. Et ouais, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.